Ya Rabb, je t'implore par tes plus beaux noms de pouvoir purifier nos cœurs de tous nos péchés et de pouvoir, Ya Rabb, transformer tous nos péchés en hasanat. Et surtout, Ya Rabb, et surtout, 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 Ya Rabb, ne pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Car Ya Rabb, lorsqu'on s'écarte de ton rappel, notre cœur, il devient étroit, Ya Rabb. Et Allah fait en sorte que nous ne perdons pas cette connexion avec toi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. Oh Allah, ne fais pas que nos cœurs dévient après nous avoir guidés. Parce que Ya Rabb, il n'y a pas une plus belle saveur que celle de vivre avec toi en secret dans nos cœurs, Ya Rabb. Ya Allah, on a commis du tort envers nous-mêmes. Pardonne-nous, Ya Rabb. وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Oh Allah, on a commis du tort envers nous-mêmes à travers le Coran et la tradition prophétique, Ya Rabb. Tu nous donnes tout ce qu'on a besoin pour pouvoir être épanoui dans notre vie et vivre ce bonheur intérieur, ce paradis ici sur terre, cette relation secrète avec toi. Et que, Ya Rabb, on ne ressent pas tout ça, on a commis du tort envers nous-mêmes, Ya Rabb. Pourquoi, Ya Rabb? Parce qu'on n'a pas suivi tes injonctions. Ya Allah, pardonne-nous et permets-nous de nous réformer. Et Ya Rabb, fais en sorte que le Ramadan soit une guérison pour nos cœurs. Car Ya Rabb, à cause de nos péchés, notre cœur est obstrué et nous ne voyons pas le bien autour de nous.